Je pense que le débat a joué pour beaucoup. Les Français ont vu aussi que Emmanuel Macron, face au Front National, savait défendre son projet, que le projet était clair face à un Front National qui n'avait pas de projet pour la France. Et je pense que c'est ce qui a creusé l'écart entre les deux tours. Aujourd'hui, il y a beaucoup de responsabilités. C'est une victoire nette qui donne beaucoup de force à Emmanuel Macron pour mettre en œuvre son projet, pour lancer une campagne des législatives qui sera courte mais intense. Et puis une grande responsabilité parce que l'attente des Français, elle est très importante. On attendra des résultats tangibles, rapidement. Mais en tout cas, on profite, vous voyez, de cette belle victoire, de cette belle fête ce soir. Parce que voilà, il y a un an, on s'est donné corps et âme pendant toute cette année pour coller, pour tracter sur les marchés, pour convaincre les Français, nos concitoyens. Et le résultat a payé. Il y a un profond renouvellement qui était attendu par les Français. Le score ce soir le montre. Et Emmanuel Macron s'y est engagé. C'est un renouvellement des têtes. Hein. On le verra dans la campagne qui va s'ouvrir. Et des méthodes. Depuis un an, la méthode politique qui a été déployée sur le terrain et qui porte ses fruits ce soir, elle est vraiment différente.